Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo très courte où je vous montre comment je fais facilement des boutures avec une bouteille d'eau et de la fibre de coco. Alors voilà ce qu'on va faire. On va garder la bouteille avec le houblon que vous voyez ici. Et on va tout simplement mettre de la coco dans la bouteille. Et vous allez voir, ça va grossir et ça va se mettre autour des tiges du houblon. Comme ça, la bouture va pouvoir prendre. Dans un premier temps, il faut émietter la coco. Alors, pour ce faire, c'est simple. Je prends la coco, puis avec un couteau, je vais donner des coups dedans pour l'émietter. Il n'y a pas besoin d'en prendre trop parce que la fibre de coco va gonfler. Une fois qu'on a fait ça, on prend la bouteille et tout simplement, on va faire tomber par le trou la fibre de coco. En fait, la fibre de coco va absorber l'eau et en même temps, elle va gonfler. Donc, faut quand même. Là, j'avais mis quand même un petit peu d'eau, donc faut en mettre quand même un petit peu. Tasser. L'avantage de cette technique, c'est que la plante n'est pas stressée, elle a commencé les pieds dans l'eau, vous lui mettez de la coco par la suite, et le tout reste dans une sorte de serre. Et d'ailleurs, on voit bien que la plante respire parce qu'il y a beaucoup de buée à l'intérieur de la bouteille. Et donc, c'est parfait pour lancer une bouture. Si tu veux voir la suite de mes vidéos, tu peux aller en bas à droite sur la fleur et clique sur s'abonner. Et n'oublie pas d'activer la cloche si tu veux être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et un pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. À très bientôt !